Bienvenue les amis dans Crani chapitre 2. Alors, bon, pour ce premier épisode, on va commencer avec le grand-père. Mode easy. J'espère qu'on aura de la chatte. J'espère qu'on aura beaucoup de chance les gars. Désolé pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée en ce moment. Donc, je peux plus faire de Minecraft. Désolé pour ceux qui aimaient bien les cache-cache. J'essaye de racheter Minecraft sur Xbox One. J'arrive pas pour l'instant, donc désolé. Et Fortnite, bah, je peux pas y jouer, donc tout seul, c'est un peu ennuyeux, les gars. Donc, je me suis dit, mec, au bout d'un moment... Attendez deux secondes, la sensibilité. Elle était à fond. Ouais. Papy? Ah oui, maintenant il y a la mise à jour aussi. Bon, papy, c'est cool, mais... Allez. Bon, ce qui est bien avec papy, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en fait, papy, lui, il entend presque... Même, il entend rien, en fait. Il entend rien. Donc, genre, tu peux faire tomber 1 million de cartons ou tout ce que tu veux. Il va jamais t'entendre. Donc, c'est bien. Putain, un bruit d'électricité. Je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais moi, j'entends. Ah, par exemple, j'ai fait du bruit. Et ben, il va pas venir. Il entend rien. Le pauvre. Ouais, bah, du coup, comme je disais, j'ai pu Minecrafter tout ça. Bah, reste plus que montel, hein. Des vidéos. J'ai essayé de faire des gacha live, mais peut-être qu'il y en aura un jour sur ma chaîne. Mais pour l'instant, j'y arrive pas trop. Ah oui, abonnez-vous aussi. Allez, on doit atteindre dans cette vidéo 5 likes. 5 likes, les gars, et je refais Granny, mais cette fois-ci, on va s'évader autre que la porte ou le bateau. Parce que là, dans cette vidéo, alors, oui, papy, je sais pas si vous connaissez, mais bon, il y en a qui doivent pas connaître, à mon avis. Mais papy, lui, il a la clé en fait. La clé pour les caméras. En fait, ça fait un peu penser à Elon Eibor. Ah oui, d'ailleurs, en parlant d'Elon Eibor, je pourrais peut-être en faire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je préfère. Ça fait moins le malin maintenant. Il est parti dans la chambre. On va le laisser faire ce qu'il a à faire, les gars. Bon, il n'y a pas Granny, hein, donc je sais pas ce qu'il a vrai, tout seul. Donc là, je fous du bordel, ça fait rien. Regardez, les amis, le secret, si jamais vous le connaissez pas, vous faites ça. Et aussi, pour ceux qui connaissent vraiment, mais pas du tout Granny, sachez que les petits trous, genre comme ça, là, où t'es obligé de te mettre en sneak et tout, sneak, c'est dire accroupi, si jamais vous connaissez pas vraiment. Et bah, en gros, Granny est le père. Et avant, il y avait un chapitre 1, il y avait que Granny. Et bah, ils peuvent pas venir. Et d'ailleurs, dans le chapitre 2, si jamais vous me mettez là, je vous assure qu'ils peuvent pas venir. Granny, c'est sûr, le père, j'ai pas testé. Pépé, des fois, il fait aussi dodo sur le canapé. Y'a rien. Non. Là, il a regardé les caméras parce que c'est en rouge. On le voit bien, les amis. Alors. Boîte case. Ok, donc ça, c'est pour le bateau, les gars. Où sa mère il est. Ouais, donc on peut aussi se cacher dans les douches.
Ça fait un peu penser à Hello Neighbor. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser à Hello Neighbor. Ben, pour ceux qui connaissent pas, c'est sûr que... dire, bah ouais, bah mec... Ouais, bah je disais, bah ouais, mec... Je sais pas c'est quoi, moi... sur la chaîne de FurJumper, ça y est, vous tapez FurJumper Hello Neighbor, vous trouvez direct. Bon, moi, bientôt, ça va sortir d'Hello Neighbor. Mais il s'est tapé une barre alors qu'il est tout seul, ce con. Il arrive. Alors, avec le petit biche, parce que oui, vu la gueule que j'ai dans les mains, c'est un petit biche. Bon, faut pas trop parler de sa gueule, hein. Mais... gentille bébête. Ça ferme sa gueule, là, d'un coup, hein. Ça ferme sa grosse gueule, là, d'un coup, hein. Faudrait que je me dépêche, là, les gars. Où sa mère, il s'est réveillé. Ouh, la pendule. Ouh, sa mère. Où il s'est réveillé. Ah, bah là. Ah, bah là. Dimitri, il s'est réveillé, là. Non, mais cette putain de porte. Il y a quoi là? Allez, le taser, on va le taser, les amis. Oui! Les gars, est-ce que je suis pas un magicien quand même? Donc là, on appuie sur shoot et c'est bon, les gars. Est-ce que je suis pas un magicien, les gars? Vas-y, papy! Là, je suis chaud! Ah là, tu fermes ta gueule là d'un coin. Hein. Là, tu l'ouvres moins, ta gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Eh oh, papy, je suis là. Hop! C'est comme ça qu'on défonce, papy. Donc, regardez les mecs. Security case. Oh yeah, bébé. Allez! Bon, après, je vais vous montrer un glitch, les gars. Je vais pas vous le montrer tout de suite parce qu'en fait, ça va me tuer, glitch. Mais je vais vous le montrer. Ah. Ça marche. Putain! Ça, c'est le bug de l'échelle. Ça casse les couilles, les gars. C'est bon. Ok, je vais le casser. Donc la clé, vous inquiétez pas, hein, une fois qu'on l'a ouvert, c'est toujours ouvert. Et vous inquiétez pas, Pépé, il peut pas monter, hein, donc on est en sécurité. Alors, oui, ça, en fait, faut tirer avec le taser ou le flingue, comme vous voulez, mais moi, je préfère tirer avec le taser, comme ça, au moins, on récupère la balle. Et après, ça, après, il y a un coffre fort, là, un genre de tombeau. Et à l'intérieur, il y a un genre de mec bizarre. Je sais pas si c'est une référence. Dites-le moi dans les commentaires si jamais on le trouve. Mais je sais pas quoi en fait. C'est une référence ou un truc. Des fois ils en font dans Granny, j'en sais. Référence. Après quand on sera évadé avec papy et mamie, bah. Et qu'on sera évadé aussi avec les deux. Granny chapitre 1, les gars. Papy en fait, je sais pas où il spawn. Parce qu'il faut savoir, dès que vous le tuez, bah il réapparaît après. Hein. Oh le débile. Oh je suis débile les gens. Et parce que ce truc là j'ai vu dans les vidéos ça a posé là. Et on ouvre le flingue. Ok. Papy, ça va plus déconner là. Ou tu vas te prendre une balle dans ta gueule là, ça va te faire du bien. Ça te rafraîchir les idées. Et oui, aussi, papy, met de la musique. Met de la musique. Alors, en fait, les gars, c'est quoi la différence entre le flingue et le taser? Le taser, ça endort, c'est bien, c'est cool. Même tout, vous voyez. Mais le flingue, ça endort encore plus longtemps. Ta gueule! Là, vous voyez?
Ça fait 2 minutes 30, ça marque. C'est normal. Pose ta gueule! C'est bon. Vous voyez, quand on le dit, ça marche. Alors. Alors, regardez. Mais pousse ta putain de grosse gueule, toi! Même quand il est mort, il fait chier le monde. Même quand il est mort, c'est incroyable ce truc. Qu'est-ce qui me bloque? Je sais pas, il y a un truc qui me bloquait, genre. Ok. Et ça, ça sert à faire ça. Normalement. D'après ce que j'ai lu. Par wiki, ça sert à faire ça. Nice. Après, ça sert à rien. Dans le 1, Granny chapitre 1, parce qu'il y a que au chapitre 1 que j'ai le plus joué. Dans le 1, ça sert à la voiture en fait. Donc là, il y a l'eau. Là, tu te dis, bah vas-y, mec, c'est simple. Ok. Mais il y a lui. Regarde. C'est le fils de Granny grand-père là. Il a une tête de con là. Même le mec le plus moche du monde, il a pas une ça, vrai. C'est quoi ce truc? Bon, je vais augmenter la luminosité, les gars. Vous voyez mieux. Donc, juste 2 secondes. Attendez, j'y arrive pas. C'est pas grave. Au pire, je vais continuer la vidéo comme ça. Attends, faut bien le dire. Et quand vous avez ça, les gars, vite vous dépêchez parce que grand-père il est très énervé là. On a tué son fils. Hein. Et oui, je crois que lui c'est son fils. Donc ça sert à la salle qui est là. Papy, je sais pas où t'es. Mais ça m'inspire pas trop confiance. On a pas foutu le pied. Ah si, on a foutu le pied là-bas. Enfin, ça fait un tour. Mais il est où le pied de biche? Il est là. Putain, j'ai eu peur. Hein. Parce que faut savoir, dans Granny, un petit objet, ça peut tout casser. Alors j'entends Pépé, mais je sais pas où il est. Allez. Là on est chaud là dans la ville, les gars. Allez là. Allez là. Alors on a la clé pour le truc aussi. Enfin, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, les gars. Mais on l'avait vu dans la salle de bain. Alors, les gars, c'est un mèche-gueule dans la vidéo. Non, tu m'as pas vu. J'adore coucou. Non, non, non! I see you! Ah bah, il m'a... Ah bah, c'est nice. Ah, tu montes plus là d'un coup, hein. Ah, tu montes plus ta gueule là. Granny! Wesh, on est d'accord, les gars, on a entendu la même chose. Il a dit Granny comme ça là. Il descend, lui. Ah, mais il repart, hein. Quand ça la démarche comme Samuel, il repart sans aucun problème. Ah, ça se trouve, les gars, il va dormir. Pardon. Je pense que là, il est parti pour faire dodo. Regardez. Thank you.
Et ça va lui. Heureusement qu'il est sourd, papy, hein. Parce que là, les gars, la monture sera déjà terminée depuis longtemps, hein. Pile poil quand j'ai fermé la porte, les gars. Pile poil. Bon, là, on peut faire autant de bruit qu'on veut. De toute manière, il va pas venir là. Okay, il y a des balles de pompe, par contre, mais on veut le redéglinguer. Okay, là, il y a rien. On va voir, il y a un passage qui s'est ouvert, genre en mode... Ah, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, là, c'est moi. Ça va, les gars, il n'entend pas. Il n'entend pas. On n'a pas de problème, tu vois. Il monte les escaliers, là. D'accord, les gars. Je sais pas ce qu'il fait, en fait. Tu fous quoi, papy? Alors ça sert à ça. Ah, ils ont refoutu un nouvel item. Putain, j'arrive plus à parler. Un nouvel item. Parce que là, avant, tu tournais, c'était bon. Hein. Oh merde, il y a l'essence qui est en haut. Je vais devoir aller en haut, du coup. Gars, je sais pas ce qui se passe là, je l'entends partout. Me demandez pas, je sais pas ce qui se passe. Alors ça sert pas à ça normalement. Ça sert. Attendez. Ah ça. Non merde, ça c'est. Soit c'est ça ou soit c'est le truc d'en haut. Enfin, je vais voir si c'est pas le truc d'en haut. Non, c'est pas ça. Toi, tiette. C'est quoi ce machin? On va l'acheter là, les gars. Attendez. Après, à la fin de la vidéo, je vous montrerai le glitch. Hein. Je vous montrerai. C'est plus foncé. Lui, il est toujours mort, du coup. Putain, on prend un flingue. Mais... Ok les gars. Débarrasser de lui. Ok. Donc, avec le ciseau. D'abord, je vais fouiller toute la cuisine. Parce que souvent, il cache des petits trucs genre dans ses tiroirs. Alors. Attends, c'est une musique, les gars. C'est la musique de papier, hein, c'est tout qui fait part.
suis d'accord, j'ai vu mieux, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ok, on va mettre ça. On va prendre ça. Et disais pas les gars qu'il n'y a pas de dégâts de chute parce que je viens de tomber d'une échelle et j'ai eu zéro dégâts. Je vous assure les gars, il y a vraiment des dégâts de chute dans Granny. Je vous promets. Attendez. Concentration ultime. Allez, ramasse ça. Ok. Allez. Allez, on est au taquet, les gars. Et là, vous êtes prêts, les gars, à voir le secret. Ta 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 ta. Oui, c'est lui. Je sais pas, c'est qui ce mec. Après, il se décompose. C'est un genre de vampire. Après, il fait comme s'il était mort, tu sais, genre comme Granny et tout, là. S'il s'était pris une balle ou un truc comme ça, il fait pareil. Donc, je sais pas c'est qui, ce mec. Ok, donc ça sent bas déjà. 2-1. Après les gars, on va prendre ça. Ok. Ouh, il était là! Ouh, il était là! Oh les gars, j'ai eu la peur. Mais la peur de ma vie. Mec, il était juste là. Coucou. Comme ça. Mais il m'a fait une de ses peurs, ce mec. Il était juste là. Il me regardait. Ok, on va mettre le volant. En fait, le mec, il a décapité son bateau. Non, mais c'est la vérité, les gars. Il a décapité son bateau. Genre, ah bah tiens, il y a un bout du bateau. Hein. On prend ça, on déchire. Ça. Pour ceux qui se demandaient. There you are. Non, tu m'as pas vu. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu me fais pas peur, mon gars. T'es que. Tu me fais pas peur, mon gars. Et ouais, hein. Et ouais, mon gars, hein. Je suis plus là. Hein. Il est là-bas, regardez les gars. Alors du coup, alors. En fait, je me demande si le truc, on pouvait pas l'activer. Genre, parce que... il y avait encore l'électricité. On a la patte Loki. Mais les gars, il nous manque plus rien pour s'évader. On a tout. Là, normalement, on a tout. Je descends d'abord les 100 fois. Après, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le glitch. Hein. Parce que des fois... Mec, j'ai eu la peur de ma vie. Des fois, dans des vidéos, j'oublie.
Je vous dis plein de trucs et après j'oublie. Que là, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Alors, oui, pourquoi je suis aussi fort à Granny? Bah, parce que je me suis évadé du 1. Après, je voudrais bien vous montrer comment s'évader du 1. Mais... je suis déjà évadé du 1, donc pour moi, le 2, c'est presque la même chose, en fait. Et en plus, si Pépé, il entend pas, bah, c'est encore plus facile. Ah, j'étais en train de dire, les gars, là, il y a un bug. Hein. Ça montrait pas vert et tout. Là, on a tout. Il manque plus qu'il a pas de block keys. Et pour moi, là, on a tout. Hein. Parce que à chaque fois dans les vidéos, ils font ça. Hein. Ouais, mais le problème, en fait, c'est qu'il y a pépé. Hein. Elle est où les gars déjà la patte de ski? Ah oui c'est bon. Non. Là, pour moi, les gars, on a tout. Y a rien qui manque. Hein. Yeah. Vous voyez, là, le portail, il est fermé. Attendez bien. Oh oui, il est bien. Bon bah je vais juste vous montrer le glitch du coup et pour moi après c'est bon hein. Je vous montre le glitch. L'Oréal machin machin. Je sais pas si vous voyez les notifs du coup que je viens d'avoir là. Wesh. Oh il m'a trop surpris de ouf là papy. Bon de base cette journée elle compte pas on dit les gars. Parce que de base j'ai... Bah là j'ai tout pour m'enfuir. Hein. C'est parce que... voilà, je voulais vous montrer glitch et tout ça. Vous comprenez les gars. Là les gars je suis hyper concentré. Ah oui le glitch c'est vrai. Alors vous mettez en dessous le meuble. Donc déjà si un meuble papy vient vous pouvez vous cacher. Et quand vous voulez vous remettre au dessus vous téléportez juste en dessous. Alors ça c'est pour la version comme ça de Granny hein. Et là il est de retour. C'est de plus. Ouais, là, c'est la version normale de... enfin, la version avec la mise à jour, là, de Granny. Mais dans l'autre version, j'ai un peu aussi comme ça. Et là, il vient de littéralement me bouger. Mais dans l'autre version aussi, les gars, en fait, ce qui se passe, c'est que ça vous téléporte jusqu'aux égouts. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, les gars. Wesh! Tu sors d'où, toi? Il était assez bizarre, ce bug. Je vous assure, les gars, je voulais pas vous montrer ça de base. Hein, comme bug. Je le connaissais pas, celui-là. Bon, day 3, les gars, on s'est bad. Si, là, on se casse. Non. Et non, mon gars.
Tu mets pas une pub en plein milieu de ma vidéo là? Non. Désolé. Oh, ça fait du bien là. Vas-y, je vais foutre la croix. Non, je veux pas acheter ton jeu. Enfin, installer. Oh putain. Ah, enfin, on se réveille. Ouais. Non, 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 voilà. Alors. On se casse. Oh les gars, on sait pas, non. Non, ma clé. Je me disais, il manque plus que la clé, tu vas pas me faire les coups, genre. La clé perdue. Allez, hop. Au revoir, papy. Bon les gars, j'espère que si jamais vous avez aimé cette vidéo, à bombarder un max de pouces bleus, ça fera super plaisir. J'essaie de faire mieux que je peux au montage, plein de trucs rigolos. Et bah merci de m'avoir suivi. C'était Mixpro.